maintenant vous parler. Qu'il dit. Une fille que vous connaissez tous très bien. Est-ce que vous voyez qui je dis? Est-ce que vous voyez qui je veux dire? Alors, dites-moi son nom. Comment? Comment? Non, c'est Frigide Barjot. Mesdames et messieurs, on accueille Frigide Barjot. Gardez-en un peu, Frigide. Ça va? Eh ben, les amis, si on m'avait dit ça quand on a commencé le 6 mai à 20h01 et que je me suis dit on laissera pas passer l'engagement numéro 31 du président François Hollande sans se bouger, je savais pas que vous seriez là. Oh, et qu'il y aurait une petite fille née d'un papa et d'une maman qui serait là aussi, ma chérie. Comment tu t'appelles? Et il est où ton papa? Et elle est où ta maman? Et ils sont là! Et vous êtes là! C'est extraordinaire! Voilà, je suis venue avec mon voile de mariée. J'ai même un mari quelque part. Basile de Coq, que je salue. Car sans mon mari, je ne serais pas Frigide Barjot. Je n'aurais pas ce culot, celui de vous embêter tous et tout le temps. D'embêter jusqu'au président de la République, François Hollande, qui a été... Non! François Hollande qui vous voit, qui vous entend, qui a été mon professeur, qui a été un homme formidable et qui aujourd'hui ne sait pas que la moitié, plus de la moitié des Français lui demande de l'écouter et de lui demander de suspendre la loi Taubira. Monsieur le Président, nous allons vous lire solennellement une lettre, tous ensemble d'où nous venons tous, de toutes nos diversités, de provinces, de pays, d'origine, de religion, de philosophie, de diversité sexuelle, bien évidemment. Si certains de nos propos ont pu vous blesser, Monsieur le Président, je parle au nom de tous ceux qui s'expriment ici. Je vous en demande pardon. Je demande pardon pour ceux qui...